gagne une aspiration. Ouais. À condition de ne pas être abandonné. Oh, c'est pas ça, c'est pas pour toi que je dis ça, mais vois-tu, pour réaliser les céramiques, j'ai besoin de calme. Et de calme, crois-moi, ici, ça ne dure jamais bien longtemps. Dès 11h du matin, les jeunes du camping commencent à s'installer sur la plage. Le ponton est alors une véritable caisse de résonance. On dirait qu'ils n'ont que le ponton pour s'amuser. Ah, et qu'ils le font exprès. Ah bon, en même temps, je l'ai appris. Le ponton, c'est le temps, la jeunesse, la vie qui passe. Ils disparaissent, ils reviennent à la surface, ils reprennent leur place. Ils chuchotent, crient, s'esclavent, pleurent. Ils font des expériences et des tâches sur la peinture, comme dans la vie réelle. Mais t'as qu'à donc ton alerte aucune arrive, l'artiste. Aussi, quelle idée que de venir faire la peinture sur un bouton. Moi, ce que je fais, c'est beaucoup moins salissant. Tout est dans ma tête. Là. Mais je n'ai pas besoin de tes leçons. Je sais penser par moi-même. J'ai toujours été capable de réagir. D'ailleurs, on y a une fois, mais pas deux. C'est pour cela que je te dis que le temps presse. À présent, sur ce ponton, je m'installe à 9h précise. Et je décampe à 10h30. Et encore. Le matin, j'ai dû attendre jusqu'à 9h15. Une espèce de décoloré sorti donc de ses os, était allongé là et passait son temps à se mirer dans l'eau. Ah non, dis pas plus. Je sais qui c'est. C'est la fille du réalisateur américain, Fabio Ferrari. C'est la Venise. Celle qui a de belles tenues multicolores. Et des hauts talons dorés, celle qui est si bien maquillée. Je ne la connais pas, ta Vénus blonde. D'ailleurs, tu sais bien que je ne vais jamais en ville. En dehors des spectacles, je ne supporte pas la foule. Oh, la Vénus blonde sortie de l'écume. La Vénus blonde s'en va sur son trimaran et bat pavillon rose. Et les cœurs saignent. Oh. Moi, je me sens désolée ici. J'existe. Regarde un peu mon orange. Orange sanguine. Note un peu le détail. J'enlève l'écorce. Je la découpe en petits morceaux. J'en fais plein de petits bâtons. Des zestes de bateau. Ah, une ancienne recette. Et voilà toute une flottille de dériveurs à la voile colorée. Et hop, je les lance au fil de l'eau. Je les regarde qui s'en vont. Et j'invente les histoires que je raconterai le soir aux enfants du village. Comment nous aurions mieux à faire à présent? La vie a refermé les portes et confiné l'espace. Bien. Mais nous viendrons ensemble, ici, sur ce ponton, tous les matins. Oui. Je te le promets, je ne te trahirai plus. Thank you.
Lasciatemi mi cantare. Perché ne sono